La commune de Propriano et son maire espéraient avoir été entendus, mais le classement d'une partie de ses terres comme espace stratégique agricole et celle qu'il a choisi de soumettre à la construction n'ont pas eu l'assentiment du juge administratif. Le tribunal de Bastia annule en fait la totalité du plan local d'urbanisme de Propriano. Il a jugé sur une plainte de l'association Ulewant et suivi son rapporteur. Son raisonnement est fondé sur l'incompatibilité du PLU avec le PADUC, le plan d'aménagement de la Corse, et aussi le non-respect de la loi littorale en matière de construction. Celles contestées sont prévues en dehors de tout village et de toute agglomération, précise ainsi le tribunal. Trois secteurs sont concernés, Brindigage, Trawalet et Tiolage. Autre reproche, la délimitation des espaces stratégiques agricoles à côté des espaces urbanisés. Et c'est la première fois que le tribunal se prononce, depuis que les cartographies des ESA ne sont plus applicables. En même temps, pour le juge, les communes doivent les définir elles-mêmes. Propriano a trouvé 402 hectares d'ESA, un peu plus même que ce qui lui était demandé, sauf qu'au moins 89 hectares ne correspondent pas aux critères d'éligibilité des espaces stratégiques agricoles et le juge dénonce le subterfuge. Pour Propriano, tout est à refaire, à moins que la commune ne fasse appel. Il faut dire aussi que la plupart des constructions contestées sont déjà réalisées.